Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment remplir deux cartes à remplir très facilement avec une astuce glitch qui me vient directement de Minus le Grand, donc c'est un de mes abonnés. Je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller voir son contenu, ça me ferait extrêmement plaisir et ce serait super sympathique qu'il prenne quelques abonnés grâce à cette astuce qu'il m'a partagée et que maintenant moi je vous partage. Alors cette astuce vous permettra de remplir la carte à remplir sa mort et la carte à remplir mort d'Alamson. Ces deux cartes sont des cartes de pêche. La première carte consiste à utiliser des coins de pêche et la deuxième carte consiste à attraper des poissons. Alors l'astuce, c'est de lancer en foire d'empoigne, ensuite aller vers le lac de canoë, enfin moi c'est souvent là que je vais pour chercher un harpon. L'objectif, c'est que vous trouvez un harpon. Dès que vous avez trouvé un harpon, vous pouvez toujours en chercher un deuxième, un troisième, etc. Mais il vous faudra au moins un harpon pour faire cette astuce. Quand vous avez cet harpon, dirigez-vous vers des coins de pêche et là vous pêchez avec votre harpon. Et dès que vous avez fini le coin de pêche, vous vous dirigez vers un autre coin de pêche, etc. etc. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas utiliser la dernière charge de votre harpon. Donc dès que vous voyez qu'il vous reste une seule utilisation de l'harpon, vous arrêtez de l'utiliser et vous vous suicidez ou vous vous faites tuer, peu importe. Et c'est là que le glitch va fonctionner parce que quand vous allez réapparaître, vous aurez de nouveau 10 charges. Donc quand vous avez récupéré vos 10 charges, redirigez-vous vers des coins de pêche et continuez à pêcher comme ça en illimité. N'hésitez pas à aller en hors zone pour chercher des coins de pêche si bien sûr vous n'en voyez pas dans la zone. Donc voilà qui termine cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sois Cool Mec et ciao, peace.